on se retrouvera. Voilà, Sarah et Amélia, on continue, Amélia, on continue notre visite, on va la terminer d'ailleurs. Et on va la terminer dans un lieu qui est vraiment le symbole de cette fête de Noël. Où va-t-on, Sarah ? À Bethléem, à côté de Jérusalem. On va à Bethléem. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Ben, on a vu l'église où Jésus est né, et on a allumé des bougies. Et alors, et qu'est-ce qui s'est passé encore ? Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait là-bas ? J'ai chanté. Ah non, Amalia, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a chanté. Elle a chanté. Et tu as chanté quoi, Sarah ? Il est venu, l'enfant sent bien joli. Alors maintenant, je vous propose d'écouter Sarah à Bethléem, dans l'église, qui chante « Il est venu, l'enfant sent bien joli ». Et je vais demander à... Sarah, tu chantes le nom, chante, et je chante où Hayela d'ailleurs fait bas. Alors voilà, on va bien montrer où ça se trouve sur la carte. Voilà, et bien c'est là que... Sarah a chanté, il est venu, l'enfant son bien joli. C'est très beau, écoutez. Au début de cette émission, je vous avais parlé de la nostalgie de la fête de Noël, parce que toutes les fêtes sont nostalgiques, et aussi parce que c'est bientôt la fin d'une année. Et c'est nostalgique parce que nous allons aussi vous quitter. Nous allons quitter aussi ce beau pays d'Israël. Mais avant de quitter ce pays d'Israël, je voudrais remercier tous ceux qui ont permis que cette émission se fasse et se réalise, c'est-à-dire tous nos amis israéliens qui nous ont aidés, Peter, Pilkra, Dan Productions, Yuval, aussi l'orchestre Paganini dirigé par son chef Ernst Lever, toute l'équipe israélienne de réalisation, tous les artistes de cette soirée, les autorités de ce pays qui ont permis que se fasse cette émission, notre équipe belge dirigée par Pierre Barré et notre pianiste-compositeur Philippe Navarre et l'équipe de production dirigée par Marie-France Icor. Je vous demande de les applaudir. Bonne nuit et joyeux Noël pour tous mes amis et pour tous les téléspectateurs belges. Chag HaMolad Sameach Lekulam. Et tous les trois, voilà.
1, 2, 3, joyeux Noël! Joyeux Noël!
avec la collaboration de la Loterie Nationale. C'est tout de même incroyable que ce soit les bêtes qui enseignent aux hommes comment garder aux aliments toutes leurs valeurs nutritives et leurs vitamines, en les mettant à l'abri de l'air et de la lumière. Aujourd'hui, avec Tetra Brik, les hommes l'ont enfin compris. Tetra Brik de Tetra Pak, tout reste intact. Que tous vos vœux se réalisent. Tu ne m'as pas oublié. J'ai reçu ta lettre. Coca-Cola vous souhaite de joyeuses fêtes. Paul Simon's Concert in the Park. Toutes ces chansons célèbres sur un double CD en public. Excellent enregistrement digital. Paul Simon's Concert in the Park. Ils m'ont mise dans une voiture, les yeux bandés. Ils ont trouvé le microfilm. Et puis ? Le contact était le vieux musicien. On a quitté la ville en passant par Saint-Paul. Il a pris le téléphone, il a fait le 0615749-3. Et c'est curieux, ils m'ont laissé... Autre chose ? Oui, la voiture, vive, sûre. Quelle marque ? Citroën ZX. Comment le savez-vous ? Je le sais. Citroën ZX, la qualité donne le ton. Boire et conduire ne vont jamais ensemble. Joyeux Noël et bonne année. Patex. Colle unirapide. Dosable en un clin d'œil. Rapide comme l'éclair. Super puissante. Patex Power Pen. Blonde, brune, ambrée, tourtelle. On peut en boire jusqu'au bout de la nuit. Se régénérer, se remettre à neuf. Se remettre à neuf. Tout neuf. Boire Vittel. Vittel. L'Étoile, c'est tous les jeudis sur la Une. Un grand jeu pour tous ceux qui aiment le cinéma et les vacances avec TS Forever. Avec la collaboration de la CGR. José Razador, Jean Lafont, Robert Cogoi, Annie Duparc, Stéphane Steyman, Julos et bien d'autres encore évoqueront pour nous les plus grands moments musicaux, les mélodies les plus populaires de l'histoire de Belgique dans Musique sous la dynastie. Bon, Bossemann, c'est Copenhague, c'est de 38, hein. Et le mariage de Mademoiselle Beulemans, tu sais de quand c'est celui-là? Ah, dis une fois une date pour voir un peu.
Allez, dis. Musique sous la dynastie, première partie mercredi à 15h20, deuxième partie jeudi 15h30. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non. C'est par ces mots qu'il y a une bonne trentaine d'années commençait un album de bande dessinée qui était sorti de l'imagination fertile et facétieuse de Goscinny et Uderzo. Et cet album, c'était Astérix le Gaulois, le tout premier de la longue série. Depuis, Astérix, Obélix et tous leurs amis n'ont connu que le succès. Ils nous ont même offert régulièrement de longs dessins animés comme celui que nous allons vous offrir maintenant, Le Coup du Menhir, qui est un mélange subtil entre les histoires d'une part de l'inénarrable combat des chefs et l'autre part du devin. Une fois de plus, Astérix et ses amis vont devoir affronter l'adversité et les Romains avec un égal succès. Bon amusement.